pouvez pas voir le présent si vous regardez le passé. Vous ne pouvez pas voir le présent si vous n'avez pas de passé. Et vous ne pouvez pas prévoir le futur d'après le passé. Intéressant. Je me demande ce que cela signifie. De quand date-t-elle ? Je ne sais pas exactement. Elle a au moins 10 000 ans, je pense. Elle vient du début de l'âge de bronze. Le type qui l'avait devait être drôlement musclé. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver à ces gens-là ? Allez savoir, ça date de la préhistoire, tout ça. Je compte sur vous pour veiller à ce que nos trouvailles arrivent très vite en Angleterre. Je dois rester pour continuer mes recherches. Mais ne vous inquiétez pas, Sidney, je n'oublierai pas de chercher votre montre. Je vous remercie. Un tremblement de terre! N'ayez pas peur, je suis venu ici dans le Colorado. Je suis en expédition archéologique pour le compte du British Museum. Vous ne connaissez sans doute pas notre organisation. Et vous avez 30 minutes pour remplir ce questionnaire sur votre lecture d'hier soir. Si vous avez fait vos devoirs correctement, vous n'aurez aucune difficulté. Si vous ne les avez pas fait, inutile de prévoir des vacances reposantes. Max ? Il doit avoir un détecteur dans le cerveau. Il faut toujours qu'il voit ce qu'il n'y a pas à voir. Vous devez venir tout de suite, Mighty Max. La porte est là, 9 pas à l'ouest et 17 vers le nord. Quel oiseau, il tombe à pic, il est toujours là quand il faut. Est-ce volontaire de votre part pour éviter ce travail ou est-ce que vous avez réellement un problème, Max? Je suis désolée de perturber la classe pendant un contrôle. Je crois que je suis en train de mourir. Puis-je aller à l'infirmerie? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19... Excusez-moi, je vous avais pas vu. Alors, espèce de lâche, où es-tu? Coucou, le gros nanor. Dépêchez-vous, venez vite vous mettre à l'abri. Mais qu'est-ce qui se passe, Virgile? Qui est-ce qui hurle ainsi? Tu ne pourras pas te cacher longtemps. Quand je t'aurai attrapé, je te casserai en 1000 morceaux. Il s'appelle Spike. Eh oui, et apparemment, il a une forte personnalité. Oh, j'aimerais pas être le pauvre type qui l'a mis en colère. Ah, te voilà, Norman. Je te l'avais dit que je te retrouverais. Si tu t'en vas maintenant, on est à égalité. D'accord, on dit que tu as gagné, c'est ce que tu veux, hein? Ce que je veux, c'est te réduire en miettes, en minuscules miettes. Il faut faire quelque chose pour sauver Norman. Excellente idée. En même temps, on pourrait peut-être aussi essayer de nous sauver nous-mêmes. Et de noix, on dirait une énorme partie volante impressionnante, c'est... Tout le monde descend, attention à la nappe.
Est-ce que tu vas bien, Norman? Oui, oui. J'ai voulu faire croire à Spike qu'il était en train de gagner. Finalement, en réfléchissant un peu, un contrôle, c'est pas si terrible. Oh, oh, si je déchire encore un jean, ma mère va me tuer. Vite, Mighty Max. Dis-moi, Spike est toujours comme ça? Non, en général, il n'est pas de bonne humeur. Norman! Ça va, on est sur un passage clouté. Allez, venez, il nous trouvera pas par ici. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Cette impression. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a aucun moyen de descendre. Eh bien, je crois qu'il y en a un. Ah non, 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 je ne peux pas, c'est impossible. Je serais né avec des ailes si je devais voler. Norman! Alors moi, je suis fou de rage quand je rate un train. J'ai une confession à vous faire. Je ne peux pas battre Spike, non, non. Je ne pourrai jamais gagner. Oh, non. Dis pas ça, Norman. Tu peux battre n'importe qui, t'es le meilleur. Non, pas Spike. Vraiment? T'es sûr? Il y a longtemps que t'es fâché avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Raconte. Tout a commencé quand j'étais enfant. Il y a exactement 10 000 ans. Je vivais avec mon père Urlik. C'était un grand guerrier qui préférait vivre en paix. Nos tribus ne se combattaient plus, ne se haïssaient plus, ne s'entretuaient plus. Mais tout changea le jour où Spike arriva. Si vous venez en paix, vous êtes les bienvenus. Nous n'avons rien contre vous. Mais nous non plus, nous n'avons rien contre vous. Père, attention! Et maintenant, tu vas mourir. Norman, mage de guerre. Mage, vite! Norman! Norman, où es-tu? Tu croyais que tu me ferais mal avec cette brindille? Non, mais tu plaisantes, mon minable! Tu ne m'auras jamais! Non! Père! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Mais donne-moi seulement ma hache si tu veux bien. Oh, désolé, tu ne l'auras pas! Et maintenant, je vais te tuer, toi aussi. Tu ne t'en tireras pas comme ça, mon petit. Je reviendrai, je te retrouverai, tu verras. Et alors, je te tuerai, je mangerai ton cœur.
seulement j'avais pu apporter la hache à mon père à temps. Il serait encore en vie aujourd'hui. Je suis censé être ton gardien. Mais en vérité, je ne suis qu'un raté. Norman! Kevin Kisek! Hélas, ce n'est pas le contrôleur des billets. Dommage. Oh, quel glu, je supporte pas les pots de colle. Allez, il faut partir, vite. Et où est la porte? Si mes calculs sont exacts, il doit y en avoir une tout près d'ici. Je dirais qu'elle est là. Enfin, dans le coin, quoi. Est-ce que t'as une petite idée d'où on va atterrir? Quel que soit l'endroit, il ne sera pas plus dangereux que celui d'où l'on vient, n'est-ce pas? Station d'épuration. Oh, qu'est-ce que tu disais? C'est à toi de voir, Norman. Où tu cours tout le reste de ta vie, où tu te prends en main et tu te bats jusqu'à la mort. Je sais que je ne peux pas gagner. Oh, allez, je t'assure, Norman, tu peux battre ce lâche. Tu es courageux et grand. Oui, mais lui, il est encore plus. Eh oui, d'accord, bah là, il marque un point. Pourtant, j'ai toujours voulu venger la mort de mon père. Oh, si seulement j'avais sa hache de guerre. Une hache de guerre? En ta place, je préférerais avoir une mitraillette et quelques bonnes munitions, mais tu peux le battre de toute façon. Tu dois essayer. C'est la seule solution, n'est-ce pas? Alors... allons-y. On est ici. C'est là que tout a commencé. Il est grand temps que je retourne chez moi affronter le passé que j'ai fui depuis si longtemps. Dans quelle direction va-t-on? Personnellement, je dirais... par là. Je vous en prie, laissez-moi. Je vous donnerai ce que vous voulez. Je donnerai votre nom à une aile du musée. Eh bien, au musée tout entier. Je croyais que c'était moi que tu cherchais. Tiens, 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 tu n'as pas peur de te montrer. La dernière fois qu'on s'est vu, tu t'es sauvé. Tu te sauverais aussi si j'avais un visage aussi vilain que le tien. Il est à toi, mon grand. Enfin, si, n'hésite pas. Casse lui la tête. Tu penses sincèrement que je suis capable de le battre? Hé hey. J'ai parié $2 sur toi, vieux. Alors ne me laisse pas tomber. Excusez-moi, est-ce que vous prenez encore les paris? J'aimerais miser $5 sur le gros qui a des bouts de bois sur le visage. Oh, c'est vraiment trop facile. Si je dois mourir pour défendre mon honneur, eh bien que cela soit. Parle toujours, pauvre Lina. Je vais achever ce que j'ai commencé il y a 10 000 ans. Oh, si seulement Norman avait la hache de son père, il sera en confiance et gagnerait. Excusez-moi, vous ne parlez pas d'une grande hache de guerre avec une lance en 2 minutes par hasard? Pourquoi vous l'avez vue? Oui, je l'ai déterré il y a quelques jours. Oh, royal, c'est ça la chance. Non, non, j'ai bien peur que non, je l'ai déjà envoyée en Angleterre. On ne pourra jamais la faire revenir à temps pour sauver votre ami. Manifestement, il n'a jamais entendu parler de Mighty Max. Oh, avec une porte, on voyage? Il faut partir maintenant. Mais pour aller... Bah, ne t'en fais pas, Norman, on revient tout de suite. Oh, fascinant! C'est une manière de voyager absolument sublime! Ouais, c'est rapide et pas cher, il y a tous les avantages! Mon Dieu, c'est fermé! Ouais, vraiment, on vit une époque difficile. Personne ne fait plus confiance à personne. J'ai peur qu'avec le décalage horaire, on ne soit tenu d'attendre encore 10 heures avant l'ouverture. Pas question! On va être obligé d'entrer par effraction. Et puis-je vous dire que ce genre de pratique est illégal dans notre pays? Cependant, c'est positivement excitant. On dirait que tes charmants habits t'ont lâchement laissé tomber, tout comme tu as abandonné ton père, il me semble. Je n'ai jamais abandonné mon père. Tu es un monstre.
mon pauvre ami, tu vas tromper le coup. On y a mis si bien. Dommage que ça se termine aussi vite. Oh, j'espère qu'on ne le regrettera pas. Je ne crois pas que la reine approuve ce vol d'objets précieux. Nous ne volons pas, nous venons chercher la hache qui appartient à Norman. Eh bien, c'est une idée à retenir pour notre défense quand nous serons envoyés en prison pour le reste de notre vie. Hé, les gars, par ici, j'ai trouvé une entrée. Demande si l'un d'eux est le père de Norman. Je crois que c'est plutôt dans cette direction. Excellente idée. Et comment allez-vous descendre, mon cher? Attendez, il y a sûrement un système d'alarme branché. Ah ah! C'est bien ce que je pensais. Premièrement, il faut que je débranche le fil électrique qui maintient le couvercle. Ensuite, j'utiliserai un miroir pour dévier le faisceau détecteur d'infrarouge de son orientation initiale. Et enfin, je remplacerai la hache par un objet de poids égal qui me permettra d'équilibrer la pression. J'ai une meilleure idée. Mon Dieu, mais pourquoi me suis-je laissé entraîner dans une telle aventure? Halte! Personne ne bouge! Il y a une porte tout près d'ici, mais on n'y arrivera pas sans créer une diversion. D'accord, pas de problème, c'est ma spécialité. Amis, soyez gentils, ne dites rien de tout ça à ma mère. Vous imaginez sa réaction si elle apprend que j'ai détruit le trésor d'un musée? Ton père n'était qu'un faiblard, et toi aussi. Interdit de parler de mon père. Ouais, à ta place, moi aussi j'aurais honte. Je n'ai pas honte de mon père. C'est sans importance, de toute façon, tu vas le rejoindre d'une minute à l'autre. Norman, attrape! La hache de mon père. Maintenant, je peux le venger. Il te faudra d'abord me passer sur le corps. Ça me va. Si tu me tues, tu ne seras pas mieux que moi. Ça ne m'empêchera pas de vivre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Erreur. Royal Norman. Il y a encore une chose que je dois faire. Seul. Tenez, père. J'ai quelque chose pour vous. Aujourd'hui, nous sommes allés dans les montagnes rocheuses qui s'étendent de l'Alaska au Canada et jusqu'au Nouveau-Mexique. Je parie que vous ne savez pas comment se forme la division continentale. Toutes les rivières à l'est de cette division vont vers l'océan Atlantique et celles de l'ouest vers l'océan Pacifique. C'est une grande décision pour une petite goutte d'eau. Au revoir et à bientôt.